Bonjour et bienvenue sur Génération Télévision. Ça y est, on y est. Samedi 24 décembre 2022. Nous sommes la veille de Noël. Voici le programme de votre réveillon télévisuel. Et au top de ce réveillon de Noël 2022, les 12 coups de Noël avec Jean-Luc Reichmann, numéro inédit avec notamment les candidats de la Star Academy. Sur France 2, Nagui est à la barre avec son N'oubliez pas les enfants, déclinaison donc pour les 9-13 ans. Sur France 3 en rediffusion, des meurtres, on ne change pas les bonnes habitudes, meurtre à Colmar au programme. De la rediffusion également sur France 5 avec l'échappée belle de Sophie Jevillard qui sera dans la Provence de Pagnols. Sur M6, un film, il n'y aura pas de Disney Party, il y aura Playmobil, le film inédit en clair de 2019. Sur Arte, vous retrouverez également un doc inédit d'animaux avec la montagne au renard, c'est à suivre. Du côté de C8, on commence la série des bêtisiers avec le grand bêtisier depuis 9h jusqu'à 23h et plus. Sur W9, vous retrouverez le concert gospel pour 100 voix, la troupe qui a été révélée notamment dans Incroyable Talent Royaume-Uni. Et sur TMC, on est dans les concerts également puisque c'est les Enfoirés 2022, un maire d'enfoirés. On retourne dans le bêtisier, dans le big bêtisier sur TFX ce soir, le big bêtisier de Christophe Beaugrand. Comme chaque samedi, et là ça ne changera pas, il y aura The Big Bang Theory sur Énergie 12 avec la saison 9. Vous retrouverez sur Public Sénat un documentaire en rediffusion, Brigitte Bardot, le serment fait aux animaux. Du côté de Culture Box, c'est un court-métrage d'animation, Pierre et le loup, qui date de 2013, suivi ensuite des 4 saisons d'Antoine. En diffusion sur BFM TV, un doc Ligne Rouge, les grands formats, consacré à Harry et Meghan. Pour ce qui est de ces stars, après le top streaming, voici le top album 2022. Du côté de Gulli, c'est Beethoven qui est à l'honneur, Beethoven, qui sauve Noël en rediffusion. Ce soir sur TF1 série film comme chaque samedi, c'est Joséphine Ange Gardien, épisode 2 et 3 de la saison 19. C'est Noël, et Noël avec les joueuses sur la chaîne L'Équipe, un film de 2020 consacré à l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais. Et pour Noël, il fallait bien une soirée Camelot sur Sister pour faire plaisir aux fans à partir de 17h. Sur RMC Story, en rediffusion, La face cachée de la Bible, un documentaire. Et pour ce qui est de RMC Découverte, c'est un documentaire spécial Noël, Noël XXL, qui sera à l'honneur. Et puis pour Chérie 25, c'est un téléfilm en rediffusion, L'amant de Lady Chatterley, qui date de 2015. Et puis bien sûr, on n'oublie pas les chaînes info, avec sur LCI, le 20h, avec aussi sûrement des documentaires. Et puis sur France Info, de la rediffusion principalement. Puis il y a La faute à l'Europe quand même, qui est là chaque semaine. Je vous souhaite de passer un très bon réveillon, une belle veille de Noël. Et à demain pour le TV 168. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains.